Examen du CEPE sans incident majeur. Alors que le doute planait sur la tenue des examens nationaux, l'examen national du CEPE a bel et bien eu lieu aujourd'hui, en dépit de certaines contraintes liées à la grève des syndicats, des enseignants, ayant occasionné une suspension des cours durant plus de 2 mois. Au CEG d'Antanmarnagil, 2165 candidats ont été enregistrés. Aucun incident majeur n'a été relevé. Les épreuves se sont en général bien déroulées. L'Antoine Chour Avloulman, le chef de ce centre d'examen, a annoncé que tous les surveillants ainsi que les personnels du ministère de l'Éducation nationale ont pris leurs responsabilités en rejoignant notamment leur poste et que les conditions sont réunies pour permettre à ce premier examen national de se dérouler comme il se doit. Le ministre de l'Éducation nationale, Horace Gassien, a même effectué une descente inopinée dans ce centre d'examen afin de constater de visu le bon déroulement des épreuves. Une occasion pour le ministre d'indiquer que toutes les dispositions ont été prises afin que l'examen du CEPE soit un succès. Les postes vacants ont été pourvus, les sujets sont arrivés à destination et la sécurité a été renforcée au niveau des centres d'examen. Le MEN a déclaré que les corrections devraient débuter au plus tard jeudi prochain. La transcription des notes ce week-end et la publication des résultats aura probablement lieu au début de la semaine prochaine.